Alif a été créé en mars 2017 à l'initiative de la France et des Émirats arabes unis afin de contribuer à la protection du patrimoine dans les zones en conflit particulièrement détruites ces 10 dernières années, et on pense notamment au Mali, à l'Irak, à la Syrie, au Yémen, etc. Alif a été créé à Genève parce que Genève, c'est la capitale de la paix, la capitale du droit humanitaire, et que d'être à Genève permet d'accéder à l'ensemble des grands opérateurs, des ONG qui interviennent dans ce secteur. Depuis sa création, Alif a soutenu près de 150 projets dans 30 pays, essentiellement au Moyen-Orient et en Afrique, mais aussi en Amérique latine et en Asie. Alif a aussi démontré sa grande agilité, parce que, par exemple, après l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, Alif a été en mesure d'intervenir très rapidement à la stabilisation d'une quarantaine de maisons historiques, mais aussi à la réhabilitation de musées, de cathédrales, etc. Alif intervient au soutien des musées, des monuments et des sites, des lieux de culte, mais aussi du patrimoine immatériel. Alors, aujourd'hui, Alif, après 5 années très actives, a besoin de se recapitaliser, de trouver de nouveaux fonds, de trouver de nouveaux partenaires publics et privés, et c'est la raison pour laquelle est organisée à Paris le 31 janvier une conférence des donateurs publics et privés afin à la fois d'élargir le cercle des soutiens d'Alif, mais aussi de montrer que c'est un enjeu politique majeur aujourd'hui si on veut construire une paix durable.